Bon, je vais essayer de partir en guerre contre Venise. Fais gaffe, hein, il y a souvent des alliés. Non, mais là, il est allié avec Naxos, Pologne et la Lorraine. Putain, mais c'est pas vrai, mais c'est quoi ce révolte, putain? C'est pas moi! Il est allié J'entends aux les faits. Français, le Lorrain. Ah bah, ouais, mais le France, bref. C'est un coup à prendre un, ouais, tente le coup, je sais pas. Je vais essayer. Parce que là, les Je vois pas. Vénitiens sont en guerre avec Milan, Oh Bohême, bah, Aquilae, tu c'est vois. maintenant, c'est maintenant, hein, fonce, hein. Oh, ils ont trahi l'alliance. Qui ça? Ben, la Lorraine et Naxos. Ah! Trahi l'alliance, je vois. Nope! Ah, puis pour faire chier encore, je vais appeler mes alliés, tiens. Oh mon dieu, l'ordre teutonique qui vient de le bouffer. Il vient de bouffer qui? Toute la côte. Oh non, me dis pas qu'ils sont vassals de quelqu'un! Et vassals de Kanachagatai, merde! Merde! Putain, il les a bouffés Quand à ma même, place! merde. Culé! Ma famille restera toujours éternellement liée à Israël. Merde, quand même. Une Noah de conquest. Putain, bah, Alors, j'ai plus qu'à leur envoyer des lettres d'insultes à tout va, juste pour ça. Putain! insulte-les en allemand de préférence. J'ai moins 33 de prestige, quoi. Cette game, elle va pas durer très longtemps, donc il faut le dire. Ah putain! Ça joue avec les amateurs. C'est clair. Bon oh, bah, Ouais, regarde. c'est pas facile. Oh, non, 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 non! Oh, voilà. Oh mon dieu, la honte d'or qui est en train de bouffer complètement la Lituanie! Putain, je suis en train de violer le. Je suis en train de violer la Venise là. Oh merde, putain, Novgorod a niqué la Suède, j'ai un peu que c'était possible. Oh, mon héritier meurt, oui! Chien dans ta gueule. Putain, Venise s'est fait violer, ils ont dû tout relâcher avec la guerre contre les Milanais. Ça fait plaisir. J'ai un nouvel héritier. Allez, allez! 8-3-8! Je t'interdis de mourir! Je La file en t'interdis de mourir! trottinette. Ah non, non, lui, il peut pas mourir, c'est mon futur empereur de mon futur empereur mogol. Ok, Oui! bon. Oui! Oui! Ben, j'ai Oh, réussi à lui prendre. Ouais. t'as pris Constantinople, putain, GG. Constantinople et l'Albanie. Voilà. Taxe du détroit du Bosphore. Plus 15% de revenus sur le commerce national. Si mon con d'héritier meurt pas, dans 14 ans, je peux faire l'Empire moghol. Ce qui sera déjà. Déjà? Bon Ah, je héritier, pourrais je suis prendre désolé. le titre de calife. C'est bien ça. Par contre, ça augmente le coût de la stabilité, je crois. Ouais, de 8%. Ouais. Mais pour les probabilités de conversion de 2,5 et puis surtout les 1% de prestige annuel en plus. Je sais, Ouais. je viens de le prendre à la seconde, j'avais oublié. T'es aussi un calife? Ouais. Tu peux t'appeler Isnogoud alors. Ouais. Allez, c'est parti. Voilà. La guerre! La guerre! La La guerre. guerre, oui, Oui, la la guerre. guerre, c'est le vœu de Chouan! Oh mon Alors, Dieu. dis Chouan! Bon, Chouan, t'es prêt à devenir une horde ou quoi? Parce que. Oh super, la bohème vient de me déclarer la guerre. Je sais pas pourquoi. Il n'a même pas de casus belli approprié, super, Oh putain, d'accord. il a pris moins 2 alors. Moldavie, il vient m'aider. Lituanie vient m'aider. Bourgogne alliance avec Bohème. Bavière vient m'aider. Autriche vient m'aider. Suisse. Oh, ça va! Tu vas le souiller avec tous ces alliés! Bah, c'est pas sûr parce qu'il a vraiment beaucoup d'hommes. En guerre avec Pologne, Moldavie, Lituanie, Bavière et Autriche pour la Bohème. Ah, on a un nouvel héritier. Bon, moi le mien il se porte bien, tu sais, il a 1 an, il est solide comme un taureau. Il est enfermé sous une bulle de verre. Ah, même pas! On lui a mis une camisole et il ne bouge pas, tu sais, c'est. Putain, mon héritier, il a 6-3-6. Oh, il est mauvais. Voilà. J'ai fait la paix, il a relâché, je vais pouvoir aller l'annexer. Et si tout se passe bien, je peux faire l'Empire Mogol. Dès que j'ai mon héritier. Mais je sens qu'il va crever avec ma chatte légendaire. On te dit d'arrêter les gorges profondes. Bah, tu sais, avec Zeb. Oui? Une bête de son calibre. Ah. Faut faire des choix, tu vois. Depuis, il s'est fait enlever la luette pour plus vomir. Oh, c'est répugnant, ça. Technologie terrestre, vous êtes à combien? Juste par curiosité, je m'inquiète toujours de ça. Putain, je suis à 3, quoi. Et j'attends. Je suis à 5. Alors, je suis en cette guerre. Ça se passe bien parce que je vais peut-être pouvoir lui prendre Ratibor aussi, en fait. Parce que j'ai 2 corps sur cette province-là. Là, on va lui violer son petit fion. T'aimes bien ça? Je te retourne, tu te défonces, Non, t'arrête. Tu m'entends? Je te prends, je te retourne, je t'encule! Je t'encule, Thérèse! Allez! J'ai mes 3 vassaux de près. L'ordi m'a dit que c'était inquiétant. Eh, ça n'empêche que je suis toujours à 3 de tech terrestre. Il ramène 30 000 hommes, le Mamelouk. Oh putain, où ça, où ça, où ça, où ça? Oh, oui. Ouais, d'accord, c'est bon, Enfin, il les a divisés entre l'Imereti et Ah ouais, non, R0. mais le Mamelouk, moi, il me fait peur hein, en début de game. Hein. T'as vu,
un humain pourrait jamais avoir autant de troupes, ça a le don de m'énerver. C'est 80. Oh oui, j'ai une nouvelle valeur et je vous chie dans la bouche. C'est le niveau 4 pour avoir une nouvelle valeur ? Ouais. Je vais prendre Banque Nationale. Mais non, mais nouveau une comète. Mais t'es sérieux ? Elle a fait le tour de la Terre, Zep. Elle revient juste pour t'enculer. Putain, je suis à instabilité, quoi. Mais toi, tu viens d'avoir ta première valeur, en fait. Ouais. Ah, mais moi, je l'ai d'entrée de jeu, attends, en fait. Attends, moi, ma tech, pour l'instant, c'est 4, 3, 3, 3, 3, 1, 3, je... Ouais, en fait, tout le monde est 4, sauf moi. Et ce con est en guerre contre Tfer, alors qu'il a, il a 1000 hommes, quoi. Il a 2000 hommes. Il veut que faire quoi ? Oh, pitié, mais pitié, arrêtez. Je dois avouer que j'étais plutôt fier de moi sur celle-là. Attends, j'ai pas compris. Il veut que faire quoi ? Je suis en guerre. Quoi ? Attends, il y a Venise qui m'a déclaré la guerre ? Ils avancent le casus belli suivant, guerre sainte. Chypre vient. À la snack bar. Attends, je suis en guerre avec. Chypre, Bavière, Salzbourg, Venise et Timouride. Oh, moi, j'adore les rebelles, les hérétiques qui pop juste quand le Jalaririd arrive sur ma province. Et moi, j'attends la fin de la bataille sur la colline avec un thème. Allez-y, messieurs, mes 13 000 hommes viendront finir le vainqueur. Et en plus, le rebelle va kicker le Jalaririd. Oh, c'est génial. On va être opportuniste. J'aime bien quand tu parles comme ça, chou. Tu tiens tes couilles. Ah, j'ai pas le choix là. Prends la province que je veux et puis j'attaque le teuton. Mon héritier a 7 ans. Je vais commencer à mettre mon can dans une armée. Et puis voilà. Et je vais le jeter sur des rebelles. Hein. Ah ouais, je voulais tendre une embuscade au Mamelouk avec 30 000 hommes. Hein, lui botter un peu les fesses. Tu vas aller tabasser le Mamelouk ? Je vais aller reprendre mes provinces. J'ai zéro de lassitude de guerre, donc je peux me permettre de... Va savoir pourquoi mon roi est nu à la tête de la première vague d'assaut. Bah l'Espagne a bouffé quasiment tout l'Aragon. Oh, droit de douane mondiaux, plus 25%. Ça te sert à rien. M'en fous. T'as même pas encore découvert les colonnes d'Hercule, tu sais, alors. Si. Il a surtout masturbé la colonne d'Hercule. Si c'était que la colonne qu'il avait masturbé, ça se passerait bien, tu sais. Je ne répondrais même pas. La Horde est pleine de rebelles, hein. Là, ça y est, ça commence à craquer. Ça commence. Ça craque comme la chatte à ta mère. Oh, la Lituanie aussi se révolte. Mais j'en ai marre, je fais que m'en occuper là. Oh là là. Bon, en même temps, il arrive pas à monter sa stabilité, hein. Il est qu'à 0, quoi. Depuis le début, il est à 0 moins 1, forcément. Va reprendre Erzerum, nom de Dieu. Non, je peux pas. Il y a 40 régiments Mamelouk qui traînent en Arménie à Charinza. Putain, la Horde d'Oïra, elle a tout bouffé le Kazakhstan. Putain, c'est la cinquième fois que la ville annexée, cinquième fois qu'ils volent pas, quoi. Bah, c'est vrai que t'es habitué à CK2 à reprendre les saves à chaque fois pour tenter 10 fois l'event. Sur CK2, 1, tout le monde le fait. 2, tu le fais aussi, à mon avis, tu l'as fait aussi sur U3. Jamais. Oh, arrête, ça je te crois pas. Jamais. Mais si en solo, t'es un sale menteur. Quoi. Jamais, t'as vu, il m'insulte et tout, ce qui est rageux. Bien sûr que t'es un menteur, tout le monde fait des saves roulottes sur U3. La Bourgogne se fait démonter par Aix-la-Chapelle. Aix-la-Chapelle. Par Clèves, la Hollande, et c'est tout. Et puis Nirvana a popé aussi. Le groupe musical ? Hein ? J'ai compris Nirvana. Ah, Nirvana. Don't lie to me, chouan. Where did you sleep last night ? Tech niveau 6. En militaire, j'ai une infanterie Azab. Ouais, je voudrais bien voir tout ça, moi j'ai les archers orientaux. Hein. Ne te moque pas. Pardon. Il y a des paysans qui veulent se rebeller en Thrace. Ils n'ont peur de rien. Culé. Moi qui vous aime et vous nourris au sein. J'imagine les deux millions d'Ottomans qui font la queue dans le palais royal pour les manger les tétons. En plus, t'as un sus, mon grand. C'est sorti tout seul, désolé. Ouais, tu me le dis souvent, ça, c'est sorti tout seul. Je commence à en avoir marre de tes excuses, Zepline. Ouais, mais d'habitude, tu dis pas non, c'est ça le problème. Gris est en guerre contre Milan, Suisse, Munster, Cologne, Bohème, Suède, Mecklembourg, Crète et Aquilée. Peut-être moyen de bouffer une petite province, là. L'ordre teutonique aussi, je crois que c'est le moment. Je vais tenter un gros coup sur Van. 35 000 Timurides, allez hop, tu vas faire une grosse vanne. Une grosse vague, ouais. Grosse vanne. 16 000 hommes. Avec moi, allez. Vas-y. Mon sultan meurt au combat. Meurs reste dans ta compagnie. Après, tu viens libérer Erzerum. Ouais. Non, regarde, y'a des rebelles qui vont être libérés. Ouais, non, mais il y a 870 mecs quand même. C'est une grosse bataille, ça, dis donc. Ah, bah j'ai gagné un corps sur Alep. Je suis en guerre contre Naples. Naples m'a juste déclaré la guerre, hein, c'est tout. T'es en guerre contre le Timouride. Oh, depuis longtemps, hein, réveille-toi. Ouais, je sais. Va libérer Erzerum. Non, y'a les rebelles qui vont le faire pour moi.
Ouais, mais il y a 885 mecs. Oh, attendez, je vais voir qui veut bien m'aider. Personne. L'Autriche veut bien m'aider, super. Il y a 16 000 Mamelots qui arrivent. Oh putain, je... Ok, je fous le camp là, parce que je vais me faire dépoper le fion, moi. On va voir. T'as un mec. Et j'ai mon roi. Oh, il prend moins 4 dans la gueule. Non, ça devrait le faire. Putain, il a deux fois plus de tech terrestre que moi, quand même. Hein. Ouais. 13 000, non, ça va le faire. Ah, R0 me libérer. Mon prestige est en positif. Bon, alors, vire tes hommes à R0. Non, ça va, Zep, C'est à qui tu parles ici? Doucement quand même, hein. Vire tes hommes de R0, s'il te plaît. Merci. Putain, maintenant c'est Venise qui me déclare la guerre. L'Autriche est devenue empereur, super. Comme ça, du coup, il va affaiblir tout le monde. Mon héritier est toujours vivant, il a 12 ans. Il faut qu'il meure, l'autre singe là. Mais c'est quoi, ça a 16 ans, hein, qui vient? Ouais, ou que 15 ans, je crois. Bon, je vais en profiter pour m'étendre un peu, moi. Je vais aller prendre Bassora et Iraki à l'arabe. Oh, mais j'ai un camp à Karbala aussi, mais c'est fat! Bon, ça monte. Comme ma bite. J'ai pas osé le dire. Ah mais je grandis un petit peu, un petit morceau pas petit morceau. Ah bah, moi problème. Là, je vais prendre l'équivalent de ton territoire en surface. 4 provinces d'un coup avec des corps, Mossoul, Karbala, Irak et Labala. Je vais bientôt passer Mogol, c'est maintenant ou jamais que je fais. Comment ça, Vinayagar a bouffé le Punjab? Ah ouais, non, ils ont hérité. Ah putain, ça me fait chier ça par contre. Parce que maintenant, je m'en trouve avec une frontière avec le Vinayagar qui est monstrueux. Oh, Venise cédera Corfou et Athènes. Venise renoncera à ses prétentions sur Ioannina et Albanie. Oh putain, il baisse salement son froc, là. Tout ce que je voulais. Wouhou. Du coup, bah, le Vénitien est réduit à l'Italie. C'est une bonne affaire pour toi. Putain. Surtout que les Vénitiens, le problème qu'il a, c'est qu'il amène toujours plein de petits copains avec lui. Ouais, ouais, il a... C'est un vrai arabe, il vient pas tout seul. Oh, qu'assumes-tu, Zephraï? Quand tu débarques avec toute ton équipe de rugby, c'est pas un peu la même chose? Bon, mais nous, on est blancs, on a le droit. Nous, on appelle ça de l'honneur. Ouais. Je suis en train de vassaliser à tour de bras dans le Golfe. Ah ouais? Ouais. Cette pute. Oh putain, le Yémen a bouffé Oman. Ah ça je vois même pas, figure-toi, je suis en train d'avancer en découvrant là, j'écris mon bouquin. Moi je vois déjà, en fait je vois déjà la Chine, là je vois Hong Kong moi. Ah putain. Enfin Macao, je vois. Ouais, enfin moi je vois le Ming, putain, mais t'es... Moi je vois pas l'Europe en fait. Ouais mais toi t'es un carrefour à ce moment là aussi. Hein. Ouais bah oui. T'es un des piles les plus avancés du jeu. C'est son cul qui est un carrefour. Ça c'est pas nouveau. Ouais mais faut arrêter de le dire, je recommence à recevoir des avances par MP là. Et puis le problème, c'est que je sais pas dire non, donc... Refais-moi le fion, si c'est fait gangbanguer par des mecs. Mon héritier est prêt. Tue ton roi. Je peux pas, il veut pas mourir, tuez-le. Non, mais viens te battre. Viens te battre, y'a mon roi dans cette armée, elle est là pour toi, cette armée. Je le laisse tout seul nu devant le fleuve. Putain, il y va pas, chier. J'attaque l'armée du Mamelouk pour essayer de tuer mon roi. Et y'a mon armée, oh, je vais me faire exploser. Il a combien d'hommes? Il y en a 14 000, j'en ai 8 000. Je vais prendre une sacrée dérouillée là. Allez. Il revient où? Il revient à Damas. Oh, je me fais exploser. Oh, j'ai perdu. Allez, continue, enfonce le clou. Ne laisse aucun survivant. Allez. Bon, en attendant que le reste de mes troupes arrive. 300. Je vais pisser. Dans un tonnerre d'établissement. Il est pas mort, putain. Secours. Le mec, il sacrifie ses hommes pour ça, quoi. Tu te l'as fait souiller alors? Ouais, j'ai dû demander la paix parce qu'il allait niquer ma deuxième armée derrière. Ah mais c'est des révoltes patriotiques polonaises ça en fait. Non, j'ai peut-être bouffé des provinces gratos là au Lituanie. Putain, Corfou c'est riche aussi, mais non mais c'est une comète, bah oui je... Oh la troisième comète de Zep. Ce jeu c'est de la merde hein, concrètement. On est d'accord ou même? Ça doit être au moins la dixième fois que je demande à Voldei de l'annexer, alors oui c'est de la merde. Ah enfin ça passe. Oh non, nul. J'ai une frontière avec ce groupe ED. Là. Mon roi règne depuis 36 ans, il a dû... Ouais, il doit arriver à 60 ans. J'espère qu'il va pas, que je vais pas enterrer son fils encore. Hein. Peut-être que mon roi va crever à force. Hein. Il participe à tellement de batailles, le machin. Hein. Je vais peut-être pouvoir prendre Varmia et la Poméranie. Puis Danzig, c'est pas polonais, peut-être? Ça fait 40 ans qu'il règne, mais meurt! Bon, attendez, parce que. Ah, t'as vassalisé les Jalaraïdes? Ouais, putain, mais il règne depuis 34 ans, mais meurt! Meurt! Qu'est-ce que j'ai fait pour avoir des mecs immortels là? Le mec, je l'ai envoyé au nu, au combat, sans épée ni rien. Y'a pas assez de pays musulmans, putain. Enfin, dans le jeu, alors, pas déconner. Encore des révoltes, Boudjak.
Pas encore une voile à bout de Jack. Oui, c'est moi ça. Bien joué. La Norvège occupe le Roussillon. Tu t'apprendras à prendre des provinces sans corps. Oh putain, il t'en met une couche. Vas-y. Oh, des prétendants apparaissent. Les Mamelouks m'ont envoyé une lettre d'insulte. Ah, c'est pas bon ça. Ça sent la guerre. Ah oui, les Mamelouks ont un corps sur Muse. C'est plein de muslims. Ah bah ça, le bon, on a le même niveau de technologie. Et ils mangent des muesli, c'est ça. C'est très bon le muesli. Mais meurs, meurs. Yaroslav, les Jacris. Les Jacris, ouais. Putain, Yaroslav, ils ont bouffé Novgorod. Oh, ils fat. L'Autriche qui occupe tout l'état teutonique. Ouais, ça me fait plaisir qu'ils soient venus m'aider. Bon, on va essayer de convertir ces putains orthodoxes de merde. Des Roumains en plus, des voleurs de poules. Ah, le Mamelouk m'attaque. Zeb, si tu veux faire une guerre préventive contre le Mamelouk, c'est maintenant. Hein. Il est en guerre contre moi là. Ah bah viens, on va le péter la gueule. Ouais, je lève des hommes et puis on y va. Comment ouais. Vous êtes en train de faire des bisous alors que tu sais que dans... Il va te backstabber dès qu'il pourra, quoi. Bah écoute. Il est... Surtout que là, si tu veux Alep, c'est maintenant, il a 30 000 hommes chez moi. Ouais, tu sais, Chouan, c'est toujours le truc, c'est qu'il faut profiter de l'occasion qui m'est donnée pour lui taper dessus. Allez, on va aller attaquer Bassora, 25 régiments, et si vous pouvez mourir au passage du sultan. Mali est défenseur de la foi sunnite. Bon, ouais. En tout cas, il reste plus grand chose pour les sunnites, hein. Oh, il me propose déjà la paix, le... Mamelouk ? Mamelouk, ouais. Une paix blanche. C'est-à-dire qu'il est mal en point. Bah ouais, je viens de lui défoncer de 15 000 hommes, là. Ah, bien. Alors, continue. Ah ouais, fais gaffe, toi. Je suis pas ton foutume ball, pépère. Je me replie un peu pour laisser Mamelouk revenir vers chez toi. Et je vais passer à la contre-attaque. Comment t'es lâche. Je vais déjà défoncer une armée, une grosse. Comme ma bite. Ouais, comme ça... On entend beaucoup de choses de Rupert, mais... On l'a toujours pas vu. Bon, mais c'est bon, t'es tranquille, hein. Il y a plus d'armée. Si, il a encore 15 000 hommes dans la péninsule arabique. Bon, écoute, moi, je vais faire péter un peu mon déshonneur. Je suis à zéro, hein, pour prendre les provinces, hein. Toi, ce qui est intéressant, c'est d'essayer de descendre très vite vers Jérusalem pour avoir le plus sain de prestige automatique. C'est quoi, c'est Judée ? Ah, Judée, Jérusalem, Youde. Youde. Il a entendu les effets de commerce des armes occidentales. Putain, mais il veut pas mourir! L'acquitté de notre groupe est impressionnante. Nous régnions. Plus 10 prestige. Alors qu'avant, il pleurait parce que... Chouan commence à devenir imposant. Je vois Varsovie jusqu'à Boudjak. Ouais. Ouais, c'est mon petit bout de gras, là, franchement. C'est des poignées d'amour. Chouan, les rebelles, ça marche bien chez toi. Oh, il y a 15 000 hommes qui... Il y a 15 000 Mamelouks qui arrivent. Putain, mais... Il me sort tout ça. Le mec, il envahit mon pays alors qu'il est en train de descendre sur Damas et Beyrouth, quoi. Mm-hmm. Vas-y, le Mamelouk. Vas-y, le Mamelouk. Ah, toi, ça c'était vraiment une infecte crapule, quoi. Attends, je me pose. Tu peux parler, toi qui m'envoie des révoltes. Quoi, j'ai 6% depuis tout à l'heure, tu peux la fermer. Je vois pas de quoi tu parles. En même temps, Zeb, t'as vu la taille du Mamelouk, c'est pas avec tes 4 provinces que... Ouais, mais ça va, les provinces, c'est 1-2%, tu vois, ça va. T'as vu tout ce que je lui ai pris? Ouais, avec moi, il veut pas faire la paix, forcément. Enculé, va. Bon, attends, Mais qui veut faire la paix avec une infecte pute comme toi? Et ça fait la 4ème bataille où il survit, où il reste plus que 100 hommes à cet enculé de... Et je vais pas réussir à reprendre Mossoul, putain. Je sens la rage. Ah, je viens de perdre 15 000 hommes encore, putain. La haine. Ouais, j'ai pris tout le nord de la Palestine, là. Et voilà, je viens de perdre encore 2000 hommes. Putain, mais... Allez, Mamelouk de merde, je concède la défaite, là, ouvrir un tribut, concéder la défaite. Ah, moi, j'ai plus personne. Personne de venir en Pologne, désormais. Je les comprends, aussi. Tu m'étonnes. Auschwitz avant l'heure, tu sais. t'as tué tout le monde, souvent, encore. Bon, bah, prochaine guerre, je descends sur la Judée, quoi. C'est riche ces putains de provinces ici au nord. Les impôts que ça fait, quoi. Putain, encore 13 trucs, Mamelouk. Mais fais la paix, enculé de Mamelouk. Une révolte en Albanie, mais c'est l'Albanie, pourquoi? Oh, il est mort. Il est mort. Il est là, mais t'es pause. Je l'ai fait. Regardez, bande de sodomites. L'Empire Mogol. Ah ouais, Sultanat Mogol. Bims. Oh Bims, putain. T'es en guerre avec tous les... Bah oui, c'est plus un tribal. Ouais, c'est le moment de l'attaquer, hein, Zep.
Déjà, ça fait un beau blob. Maintenant, ouais. va falloir le pacifier. Ça, c'est une autre paire de manches à coudes. Je m'entends en guerre contre toutes les hordes au nord et que j'ai rien du tout pour les repousser. T'as réussi à faire la... Ah non, pas les Mamelouks aussi. Ouais, le Mamelouk, il faut vite que je fasse la paix avec lui. Là, je suis en train de libérer des provinces. Pff, putain, quel game. Ça va, il s'en sort bien, Chouan. Ah, ça y est, je vois tout le monde. Putain, Chouan, c'est un sacré blob, hein. Ouais, il casse les couilles, mais... Il pleure. Mais moi, je trouve qu'il a... Putain, c'est bien grandi, il fait la taille de la Lituanie, maintenant. La Lituanie s'est reprise, aussi. T'as vu, la Castille a presque unifié le merdier, la France est balèze, ça... Ah oui, je viens de voir, il manque plus que les Baléares. Et l'anglais